Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nouveau résumé des CPC Series en Cayman GT4. Ce sera la quatrième étape. Nous sommes sur le circuit japonais de Tsukuba. Ce circuit plutôt court, un tout petit peu plus de 2 km, tombe plutôt bien puisque peu de pilotes ont fait le déplacement. Nous serons une petite dizaine sur la grille de départ seulement. Voyons voir dans quel ordre ils vont s'élancer. Une nouvelle fois, c'est Freddy qui prend la pole position. Deuxième, Ace. Deuxième ligne, Ishuya, Bricktop, Duke du Cool, Toramo, Overfly, Steph Drago, et enfin Tombre le Ch'ti, Osco. Et c'est parti! 20 minutes en première manche, comme d'habitude maintenant. Et beaucoup de choses vont changer dès le premier virage avec le contact entre Bricktop et Ace. Et vous allez voir 4 pilotes, donc Ace, Bricktop, Ishuya et Duke du Cool, pris dans l'incident et perdre énormément de temps. Dans le deuxième virage, nous avons donc Freddy en tête, suivi de Toramo 2, Steph Drago, 3ème position. Osco un petit peu long sur son freinage, va perdre une place sur Duke du Cool. Ace et Ishuya ne sont pas si loin finalement. Le grand perdant de ce premier virage est bien Bricktop. Dans le troisième virage, Overfly perd l'arrière de sa Porsche. Il rétrograde d'un rang. Un circuit très court, comme je vous le disais, nous sommes déjà dans l'avant-dernier virage. Les places ici ne vont pas évoluer. Le peloton maintenant dans le dernier virage. Avec des différences de trajectoire entre les pilotes. Et regardez Osco qui glisse à la sortie de ce long virage et qui va perdre deux places. Il faudra attendre le quatrième tour pour voir des attaques. Nous suivons ici Bricktop qui commence à se montrer dangereux. Osco sent le danger et décide de le laisser passer. Osco ferme désormais la marche de cette course. En deuxième position, on retrouve Toramo. Toramo qu'on n'a jamais vu aussi flamboyant. Il conduit très vite, trop vite. Il glisse malheureusement sur ce vibreur. Il va perdre énormément de place. Regardez les pilotes qui défilent. Il va repartir à la 8ème place. Puis dans le tour suivant, il fera encore une légère erreur à la réaccélération. Et il va perdre une autre place sur Bricktop. Dans le tour 8 avec l'attaque de Duke du Cool sur Overfly. Duke du Cool qui dans un premier temps pousse Overfly à la faute dans le dernier virage, puis va se mettre en position dans le premier virage du tour 9. Et malgré un freinage un petit peu long, il réussit à passer sans incident. Deux tours plus tard, c'est Ace qui va se lancer à l'assaut, toujours sur Overfly. Ace lui aussi met la pression dans le dernier virage. Overfly va néanmoins réussir à mieux ressortir que lui. On pense que c'est joué, mais Ace va sortir un freinage venu d'ailleurs. C'est très limite, mais ça va passer pour Ace. Mais l'action entre ces deux pilotes n'est pas finie puisque dans le deuxième virage, Overfly se loupe légèrement. Contact entre les deux pilotes et Ishuya réussit à passer. Et c'est deux places de perdu pour Overfly. Dans le tour 14, on retrouve un groupe de 6 pilotes menés par Steph Drago. Les positions sont très resserrées entre tous les membres de ce groupe. Et la légère erreur de Ace qui vient percuter Duke du Cool, ces deux pilotes vont perdre 3 places dans la manœuvre. Le tour 16, on retrouve Tombre le Ch'ti trop large sur ce virage. Impossible pour lui de reprendre la piste, il tire donc tout droit dans l'herbe. Et perd deux places, il se retrouve donc 5ème. Puis son incident, Duke du Cool a perdu le fil, il roule de travers. Vous voyez encore
tirer tout droit ici sur ce freinage et il se fait donc logiquement dépasser par Ace. Ace qui reprend la 7ème place. Tout dernier virage de cette course et Tombre le Ch'ti fait une faute. Il est beaucoup trop long sur son entrée. Bricktop vient donc le déposséder du top 5 sur la ligne d'arrivée. Le premier à franchir la ligne est donc Freddy qu'on n'a pas vu de la course. Il s'est échappé et a fait sa course tout seul de son côté. Mais le reste du podium est inédit. Steph Drago deuxième devant Ishuya 3. Et voici donc le résultat complet de la première manche avec la victoire de Freddy. On l'a vu, les très bons résultats de Steph Drago, Ishuya qui monte sur le podium pour la première fois de la saison et qui vont marquer des points très très intéressants. Bricktop et Overfly au 4ème et 5ème position. Tombre le Ch'ti 6, Ace et du coup le 7ème et 8ème. Hein, les grosses déceptions pour ces deux pilotes qui jouent le podium sur le classement général. Et enfin Toramu et Osku 9ème et 10ème. Cette deuxième manche est encore une fois Freddy qui partira en pole position devant Ace. Deuxième ligne, Bricktop, Overfly, Ishuya, Tombre le Ch'ti, Duke du Cool, Toramu et enfin Osku devant Steph Drago. Et on repart pour une demi-heure de course. Dans le premier virage, les pilotes vont réussir à garder leur position. Sauf Osku qui va se faire passer par son coéquipier Steph Drago. Dans le virage numéro 2, Ishuya profite d'une erreur d'Overfly pour le passer. Malheureusement dans le virage suivant, Overfly et Ishuya s'accrochent et ils finiront ce tour à la 8ème et 9ème place. Dans le dernier virage, la course est donc menée par Freddy, 2ème Ace. Troisième, Bricktop. Et puis vous voyez la sortie de piste d'Osku qui finit donc ce tour dernier. On entame le deuxième tour en compagnie de Toramu. Toramu sixième. Malheureusement, il va glisser sur le vibreur extérieur du premier virage. De vigilance au moment de repartir, Toramu percute Ishuya. Ishuya malchanceux. Deuxième incident pour ce pilote en deux tours. Ces deux pilotes vont repartir à la 8ème et 9ème place. 7ème tour, on retrouve Toramu dans la ligne des stands. Il va réparer sa voiture suite au contact qu'il a eu dans les premiers tours. Il ressortira logiquement à la dernière position. On se retrouve en caméra embarquée avec Tombre le Ch'ti dans le 8ème tour. Tombre le Ch'ti qui va glisser sur le vibreur intérieur du premier virage et perd une place au profit de Duke du Cool. Tombre le Ch'ti est désormais 5ème. Dans le 2ème tour, on retrouve Toramu qui a réussi à remonter sur Osku. Et il va le dépasser suite à cette légère erreur d'Osku. Toramu est donc maintenant 9ème. La course est plutôt calme dans l'ensemble, il faudra attendre le tour 31 pour voir un autre dépassement et ce sera aussi le dernier dépassement de cette course. Et tout va se jouer sur une légère erreur de Steph Drago, vous voyez la légère glissade. Overfly saisit l'opportunité pour rentrer dans le top 6. On va donc assister à une nouvelle victoire de Freddy qui signe le doublé sur ce petit circuit. Voici donc le résultat complet de la deuxième manche. Victoire de Freddy, on l'a vu. Deuxième place, Ace. Bricktop, troisième. Duke du coup, le quatrième. Tombre le Ch'ti, 5. Le top 5 qui n'a pas bougé après le 8ème tour. Pardon. Derrière, nous avons donc Overfly et Steph Drago en 6 et 7. Ishuya, 8ème, malheureux sur cette course, notamment sur le début de course. Et puis enfin, Toramu et Osku aux deux dernières places, comme en première manche. Prochaine étape de ce championnat, nous partirons en Australie sur le circuit d'Adélaïde, un circuit citadin et extrêmement dangereux. Sur ce, je vous dis à la prochaine !